Hello tout le monde, aujourd'hui on va parler de la marque Valraven. Alors Valraven c'est la marque d'un luthier ukrainien qui fait des guitares essentiellement en 7 et 8 cordes et souvent c'est des headless. Il opère essentiellement via des réseaux sociaux comme Facebook et c'est comme ça que j'ai pu en fait connaître la marque. Donc le credo de la marque c'est de proposer des instruments de qualité custom shop avec l'expérience custom shop pour un prix de sortie d'usine coréen. Alors effectivement, de manière générale, on trouve ces instruments-là entre 1200 et 1700 dollars, ce qui est effectivement moins cher que les hauts de gamme indonésiens, voire coréens. En général, ces instruments se situent plutôt dans les 2000, voire 2500 euros. C'est vrai qu'au niveau des specs, la guitare est assez blendée, c'est-à-dire que stainless, micro, en général je vois souvent passer des Fishman Fluent, donc des Abassi, des Stephen Carpenter, des modernes. Je crois que j'ai même vu passer des Bernacle, donc oui, c'est vraiment assez fourni en termes de spec. Pour autant, est-ce qu'on a vraiment une qualité custom shop? On va voir ça juste après. Donc pour ce modèle en particulier, on va être sur une headless en double cut avec un fan fret en 26,5 et 28 pouces. Pour la partie lutherie pure, on est sur un corps en deux pièces de frêne, une table en ziricote, un manche trois pièces en wenge avec des fileurs en érable. Les frettes sont des frettes en jumbo en acier inoxydable. Sur la tête, au niveau des blocages, vous avez deux vis par corde, ce qui permet de vraiment bien verrouiller la corde. Ça, c'est pas mal. Alors, des pièces de chevalet fixes, elles sont toutes séparées les unes des autres, mais sur une plaque qui les unit. Et enfin, une touche en bocote, bocoté, je sais pas comment on dit. Donc, c'est un bois très marron et assez vénuré. Et le thème de la guitare, c'est donc le bois naturel. Ensuite, par-dessus le tout, j'ai pas l'impression qu'il y ait du vernis, ou alors c'est du satiné, mais honnêtement, je pense pas. La partie électronique, elle est gérée par des micros. Alors, la marque, c'est Dertaler. Et le modèle, c'est Scofung. Bon, c'est le modèle signature apparemment. Je connais pas du tout. Hein. Ça, c'est ce qu'il m'a dit. Ça ressemble à des Bernacle Aftermath. Alors, ceux qui connaissent, voilà. Vous voyez à peu près ce que c'est. Sinon, pour ceux qui connaissent pas, c'est des micros avec un voicing assez gent. Donc, des basses assez resserrées, beaucoup d'attaques et de l'articulation dans les notes. Et le tout est donc piloté par un sélecteur 3 positions avec un push-pull pour splitter les micros. La prise jack, elle est avec un bouton pressoir, donc ça permet de verrouiller le jack comme il faut. Petit détail super génial, c'est que la plaque, elle est pas vissé, c'est magnétisé, donc vous avez des petits magnètes, voilà. Terminer les vis, terminer les emmerdements, et voilà. Et pour terminer, les boutons de volume et de tonalité, ils ont été inversés, donc le volume est en bas et la tonalité est en haut. Et ceux-là sont pas d'origine, c'est-à-dire qu'à la base c'était des boutons assez cheap en plastique, et je les ai retirés pour mettre des boutons en doré. On va commencer par les sons clean, avec, comme d'habitude, sur une guitare métal, des sons qui sont pas terribles, mais grâce au split, on peut s'en sortir. Les sons crunch sont étonnamment assez bien. Moi j'aime bien en fait tout ce qui est cristallin et avec beaucoup d'attaques, donc forcément ça je m'y retrouve. We'll be right back.
Et enfin, bah, si vous êtes ici, bah, c'est un peu pour ce genre de son, donc on est à la maison. Maintenant qu'on a fait le tour du son, je vais donner mon avis comme d'habitude. Alors question design, je sais pas vous, mais moi j'aime bien. Du côté des headless, en général, il faut s'y faire au début, mais ça, particulièrement, j'aime bien le look agressif qu'elle a. Donc avec les cornes qui sont vraiment très pointues, la forme de la tête avec son logo ici, et le détail du logo également sur les micros. Et il y a même la marque sur la plaque arrière de l'électronique. L'ergonomie de l'instrument est très bien pensée. Donc ici, on va se retrouver avec un diapason 28 pouces en haut et 26,5 en bas. On va retrouver familièrement ce qu'il y a sur des marques comme Strandberg. Donc pour ceux qui connaissent, vous n'allez pas être dépaysé. Le profil du manche est très fin et en profil en C. Du coup, c'est très agréable, plus agréable que les profils en D. Je trouve que de façon générale, l'instrument il réagit vraiment bien sous les doigts. Les micros sont excellents, c'était vraiment la bonne surprise. J'avais peur, je ne savais pas ce que ça allait rendre. Je m'étais dit au pire, je les changerais par une autre marque de micro. Et au final, je vais les garder et j'hésite même, si un jour je la vends, à les retirer pour les garder pour moi. On a vraiment ce punch, cette brillance dans les aigus, côté un peu glacis. Et surtout, ben, j'aime bien, ça pompe un peu sur quand vous attaquez les notes. Donc du coup, c'est très réactif à la dynamique de jeu que vous avez. Le split également sur les micros, il est extrêmement efficace. On a une vraie valeur ajoutée à avoir ça. Beaucoup de guitares, quand vous passez en split, il n'y a pas une énorme différence. Alors que là, vraiment, c'est marqué. Alors, au rang des petites choses qui fâchent sur l'ergonomie, juste une chose, c'est que vous ne pouvez pas jouer la position classique normalement, puisque vous avez le jack qui est en plein milieu de là où vous devriez avoir la jambe. Donc, vous passez votre tour. En revanche, j'aime beaucoup l'équilibre général de l'instrument. Vous avez vraiment le manche qui pique un peu vers le haut. Et ça, c'est très bien, notamment sur du fan fret. Alors, qualité custom shop pour le prix d'une coréenne, je vous spoil tout de suite, non. Alors pourquoi c'est pas qualité custom shop? Ce que j'entends par custom shop, c'est vraiment du très haut de gamme. Donc c'est pas tant sur l'ergonomie, c'est pas tant non plus sur le son, c'est vraiment sur la finition de l'instrument. Le premier truc, c'est la hauteur du micro, vous pouvez pas la régler comme vous voulez, puisqu'il n'y a pas de ressort, pas de mousse, c'est très compliqué, donc je les ai laissés tels qu'ils étaient. Deuxième chose, ça va être les mécaniques. D'habitude, j'adore ce genre de mécanique, mais ici, celles-ci, ces versions-là, elles sont un peu cheap. Les boutons sont super durs à régler, ils sont tout petits. Et heureusement qu'on a les encoches pour pouvoir mettre le médiator. Mais même avec le médiator, j'ai peur de le casser. Du coup, moi, je prends une pince en métal et puis je tourne. Autre point sur ce bridge, parce que c'est pas fini. Vous avez tous les petits picots là sur lesquels reposent les cordes. Et bien, en fait, ils sont super pointus. Donc, vous amusez pas à trop appuyer. Parce que ou si vous y allez avec la main très fort, vous risquez de vous arracher quelque chose. Le montage des cordes, encore une fois, ben, ces petites vis, j'ai toujours pas trouvé à quoi elles servaient. Si vous les serrez trop, vous pouvez plus tourner la mécanique. Si vous les desserrez trop, ben, tout qui part en live, je sais pas trop. Et enfin, l'intonation. Donc là, vous avez en dessous une petite plaque qui permet d'avoir toutes les mécaniques les unes bien parallèles aux autres. Et au final, ben, y a une butée. Et pour régler l'intonation, puisque l'instrument, moi, je l'ai réglé un temps en dessous, eh ben, j'ai pas pu, donc il faut dépasser la butée, rebaisser le picot. Enfin, c'est l'enfer. Donc une fois l'intonation réglée, on n'a plus envie d'y repasser dessus. Mais le vrai point qui fâche, ça va être le manche. Le si est un peu haut, du coup sur la première case, il faut appuyer comme il faut. Le fretage était catastrophique, il a fallu que je refasse tout moi-même, un rocker, une lime, et c'est parti. Pour le coup, j'avais 6 ou 7 frettes qui étaient mal nivelées, et surtout, la 24e et la 23e case, ça donnait la même note. Maintenant que j'ai terminé le travail du luthier, ça va un peu mieux. Après, c'est pas au niveau d'une plaque machine. Et dernière chance sur les frettes, donc elles ont beau être arrondies sur les bords, vu qu'elles dépassent de la touche, si vous avez le malheur de dépasser, vous pouvez vous coincer la corde sous la touche. Donc, en conclusion, qu'est-ce que je dirais? C'est un instrument dont j'adore l'ergonomie,
J'adore le son, j'aime beaucoup la jouer, mais il a fallu que je finisse le travail du luthier, et ça, c'est le pari est perdu, donc tu peux pas te prétendre custom shop si derrière le client doit finir ton travail. Et si le mec sait pas faire, ben en fait, il est obligé de payer pour amener son instrument chez un luthier. Après, pour moi, personnellement, retailler des frettes, bon, j'ai trouvé ça sympa, au final, à faire. Ça m'a fait la main dessus, et puis j'ai découvert des choses que je savais pas. Et ça, j'accepte cette contrepartie, parce que c'est vraiment un travail fait main, et je paye un artisan. En revanche, je tombe sur une guitare comme ça, d'usine, qui sort de Corée ou d'Indonésie, je la renvoie immédiatement, c'est inacceptable. Surtout que pour là, 1 400 $, plus les frais d'envoi, plus les taxes de douane, on est dans le territoire des Strandberg standards. Et là, pour le coup, c'est plutôt Strandberg standard qui passe pour un custom shop à côté de ça. Nous arrivons donc à la fin du test sur Valraven. Merci à vous d'avoir visionné cette vidéo. Si vous êtes abonné, c'est parfait, je vous en remercie. Si vous ne l'êtes pas, vous pouvez le faire. Autrement, n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en bas.